Quand on dit qu'on a colonisé ce maudit pays, on l'a colonisé ce pays-là, oublie-le pas, mon bonhomme. I would like to see the people of Quebec remain within the framework of Canada, if possible. Non, tabarnak de colis, ça fait 100 ans qu'il me condimenterait. Si vous êtes pas honnête, ça condimenterait. Parce que le Québec et le Canada n'ont pas encore une entité vraiment formelle qui est un milieu écologique valable pour les Canadiens français, on est obligé de prendre la même définition et dire que le pays, c'est encore aussi le bout de clôture de la maison chez soi ou le village. Vous ne pouvez pas définir l'esprit québécois non plus. Vous le définiriez par des négations si vous vous y mettiez. Donc, c'est une réaction de défense. On défait le pays comme une barricade. Moi, j'ai passé ma vie comme ça, à me demander ce qui était moi et ce qui n'était pas moi. Et j'en ai plus qu'assez. Ah, pas le choix. Donne l'image à quelqu'un qui n'a pas le choix. C'est magnifique. C'est magnifique au nom de l'humanité. Du point de vue ouvrier, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'on fait au pays, à Québec? Québec, j'étais. Vous êtes venu à Québec? Bon Dieu, j'ai fait 2 ans la ligne, là. Et j'ai pris un bateau tout neuf. Le Cleveland, il s'appelle. Le Cleveland, il a été construit uniquement pour ça. Pour faire les grands lacs. Tu trouves ça beau, le fleuve Saint-Laurent? Hein? Comme ça, ah, c'est très joli, surtout l'été. Ah, malheureux, surtout l'été, c'est très joli. C'est très joli, chou. L'été, tu vois tout, plein de floraisons partout, c'est très bien. Hein? Ah, ça c'est joli, c'est mon vieux. D'où vous êtes? Où vous êtes vous? Moi, Saint-Servant. Oh, tu parles comme si on connaissait pas. Bon, Saint-Servant et vos parents? Saint-Servant. C'est beau, tiens, vive la France, les bons dieux. De quoi qu'il faut, du pinet pour tout le monde. Vous croyez que c'est pas une situation que moi je connais depuis que je suis née? À Brest, j'ai jamais vu que des ivrognes. Non, dans ce sens-là, ça répond effectivement à quelque chose. Je n'ai vu que ça. Des gens gâchés. Je peux pas me dire à aucun moment qu'ils étaient responsables de se gâcher. Mais non, je suis à terre. Travailler comme mannequin sur un chantier. Tout le monde est à terre. Travailler comme mannequin. C'est-tu pas ça le dégoûtant? C'est-tu pas ça d'être exploité? Qu'un marin puisse pas être marin dans un pays qui a toujours eu des marins? Pour l'instant, on peut pas. Non, pour l'instant. Ça fait longtemps que l'instant dure. On peut pas pour l'instant. Il y a 5000 marins à pied. Je sais. En Bretagne. Vous voyez? Vous êtes parmi les plus exploités. Il y a 5000 marins qui travaillent pas. Ouais, 5000, oui. Vous voyez bien, dans une société juste. C'est tout. Sans parents ou pas, on vous aurait mis à l'école, on vous aurait donné un métier, on vous aurait permis de vivre. Ouais. Vous avez eu le choix d'aller vous faire crever. Ils m'ont brisé la gueule. Oui. Et ils m'ont brisé la gueule. Mais je sais, moi, que de les voir encore, à mon âge, et de savoir qu'ils existent, eh bien, ça me donne du courage et pas de la sentimentalité pour un sou. Car ce gâchis-là, faudra bien un jour que les coupables le payent. Ils sont tous malades de crise. Malades de crise, comme des montagnes, mon Dieu. Moi, je dis pas vrai, moi, je suis un jeune branleur, moi. Quel âge vous avez? 39 ans. Je suis un jeune branleur. Mais je défendrai mon bistec tous les jours qu'il faut. Et vous demande? Et je n'ai pas pour longtemps pas le mitraillette et des gommes et tout ce qu'il y a pas là. C'est tout. Pour prendre l'heure, monte la brique à l'épaule tous les jours et puis on a mal joué. Et vas-y, iceboot. Iceboot. Ah, comme on dit en breton, iceboot. Parce que moi, tout ce que je demande, moi, qu'est-ce qu'on demande nous autres? Vivre. Vivre. La vie libre. La vie libre. Et du pognon. Pour vivre. Pour l'ouvrier. Et que l'assiette au beurre, ce ne sera pas toujours les mêmes, ils la bouffront. Ça viendra. Ouais, j'espère.
que ça viendra. J'espère que ça viendra. Bon Dieu, j'espère. Non, t'énerve pas. Ça viendra. Si, il m'énerve, mais je suis perdu. Mais j'ai pas peur, moi. On est trop nombreux maintenant. J'ai fait 3 ans. Sur le pantoir, dans le temps, j'ai fait le coup de feu, moi. Ça viendra. J'ai pas peur. J'ai pas peur de mourir. Non. Ça viendra. Et moi, je donne ma vie tous les jours, moi. Je la donnerai s'il faut. Mais moi, que l'ouvrier soit tranquille. D'accord, il y a toujours eu un plus petit toi. D'accord, d'accord. Qu'on travaille, d'accord. Mais au moins, bon Dieu, qu'à la fin du mois, qu'on la plein pour rien. Qu'on soit libre. Et qu'on soit libre et dire ce qu'on veut. Dire ce qu'on veut. On les aura. Je sais pas, mais l'allure ça va. À l'allure ça va, les aura pas, parce que tout le monde tourne sa veste. Tout le monde. On les aura. Il y en a qui tournent pas leur veste. C'est sûr. Faut avoir espoir. L'ancienne constitution, en fait, il y avait fait des promesses aussi de l'âge. Hein, qu'on conserverait notre langue française. Puis où est-ce qu'on est rendu avec la langue française aujourd'hui? On est rendu à zéro. Hein? Ils n'ont fait des promesses. S'ils avaient tenu leurs promesses, OK. Mais ils l'ont jamais tenu. Ils vont-ils la tenir dans l'avenir? Pas plus. C'est là la question. Hein? C'est là la question. Quand je vois 1000 Canadiens français à cette île rentrer le matin à l'heure nord, puis en entrant, qui accroche leur langue comme on accroche un paletot, qui sont reçus à l'heure nord par un gars, le Foreman. Sans armes, sans menaces, sans violence. Seul, il force les 1000 Canadiens français à parler sa langue à lui. C'est vrai. C'est la vérité. And I believe we shall get to that. A modern, progressive nationalism. We know it can happen. But it will never be possible on a majority-minority basis in this frustrating and mutually sterilizing context of our obsolete political institutions, where you have, what does Quebec want? The answer is always, Quebec wants more. Okay. I hope this makes you feel better. You know, this is not, how do you say, conducive to dialogue. Now, we firmly believe that we can do it in a sovereign, as we say it, which means a politically independent Quebec. Another 3 minutes, 2 minutes. And we also believe that we should and we can do it together. Not with him, but together. Look. Why the French and Canadian people can't get along within Canada exactly the same as German Canadians, Italian Canadians, or Ukrainian Canadians, without crying all the time, without asking for more, without having another government for themselves. Right. You're right. But can I answer you? Very simply, take a German Canadian, or as you say, an Italian Canadian. They come from two well-known ancient countries, Germany and Italy. When they come here, they come as immigrants. What you're calling for is that French Canadians also accept the Canadian melting pot situation. I didn't come here to cry. We're just saying we're going to do our own job in Quebec. It just so happens that Quebec is also our homeland. That's where we feel at home. Nowhere else. The gentleman was talking about paternalistic France. No one
in Quebec feels more like going back to France than you would feel going back to wherever you came from. Oui. But we are not going to be any kind, I'm sorry, of group of new Canadians melting into a melting pot, which is quite different for immigrants who become citizens as German or Italian newcomers. That's fine, I accept that, sir. Right. Why do you have to have a government by yourselves? Why do you have to have a second government? Well, that's what I was talking. Look, as best I could, I gave you some. No, that's right. Thank you for trying, but you failed. Right. Ça a toujours resté dans ma mémoire que les Anglais, quand ils sont venus prendre le Canada, ils ont venu maltraiter nos vieux parents à Louisbourg, en Nouvelle-Écosse, à Grand Pré. Ça a toujours resté là, ça. Hélas, ça ne me surprend pas une sacrée miette, Calliocoude, par exemple, qu'il ait eu de la misère avec amour. Qu'il bénisse la main de l'anglo-saxon de lui avoir donné du travail à faire. Et la Golf Pup qui nous a fait faire ça, nous autres. J'en suis absolument convaincu que Menot existe. Mais j'ai l'impression que la vocation humaine, par définition, c'est de ne pas se soumettre pour vivre. C'est pas possible de faire cohabiter ensemble le concept de la soumission et de la vie. Ah, ce qui va se passer, il se passera ce qu'il voudra. On fera pas pire que nous, ils feront pas pire que nous enterrer. D'abord, faut tout aller dans ce trou-là. Bon, s'il faut se battre, on se battra. S'il faut, quand même, j'ai 58 ans. S'il faut prendre la carabine, on en prendra encore. On prendra n'importe quoi. Je suis décidé à tout faire. N'importe quoi.